Salut tout le monde, bienvenue aux 2 minutes Quantum où je réponds à une question en 2 minutes. Donc c'est ça, fait qu'on part, j'ai 2 minutes pour vous parler de les meilleurs aliments pour le système digestif. Donc il y a beaucoup de monde qui me demande, j'ai des ballonnements, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc j'ai ici 3 aliments qui peuvent être super intéressants. J'ai la choucroute, du kimchi et ici j'ai des graines de chia. Donc c'est des aliments qui sont super intéressants. Qu'est-ce qui est légumes fermentés? Ça va être super bon pour mettre des bonnes bactéries au niveau de l'intestin. Ça agit un peu comme un probiotique mais de façon plus naturelle. Ensuite de ça, les graines de chia, ça va être super bon pour aider au tractus digestif. C'est des fibres qui vont aider à nourrir les bonnes bactéries au niveau de l'intestin. Donc aussi, on aurait les patates douces qui sont super bonnes, qui contiennent beaucoup d'amidon résistant. De prébiotiques qui vont nourrir les bactéries dans l'intestin. Donc c'est important d'avoir des bonnes bactéries, mais c'est aussi important de leur donner des aliments, si on veut, qui vont aider à la prolifération de ces bonnes bactéries-là, puis de maintenir une bonne santé digestive. Autre que ça, qu'est-ce qui est vraiment pas bon pour le système digestif? Tout ce qui est à partir de blé, à partir de produits laitiers, et certains aliments comme les arachides, le maïs, peuvent être durs sur le système digestif. Donc, sur ce, bonne semaine, on se parle la semaine prochaine.